Le porte-parole de la mission chinoise auprès de l'Union européenne a répondu à une déclaration commune publiée par des responsables de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Australie, du Japon et d'autres pays. Cette déclaration évoque la proposition de l'OMS d'une deuxième phase d'enquête sur les origines du virus. Le porte-parole a souligné que la Chine a toujours été et continuera d'être coopérative dans les études internationales de traçage de l'origine. Il a cependant condamné certains pays, les accusant d'avoir politisé le projet. Auparavant, près de 60 pays avaient approuvé les résultats de la première phase de recherche sur la recherche de l'origine sous forme de lettres adressées à l'OMS, tout en s'opposant à la tentative de politisation de l'étude.